Je ne suis pas certain que l'œuvre de Robert Badinter nous soit bénéfique aujourd'hui, parce que il y a des gens dont la société devrait se débarrasser plutôt que de continuer à entretenir ces gens et à se dire que finalement il faudra leur pardonner. Il a sans doute participé à changer la France et à faire de la prison un endroit dans lequel beaucoup de monstres vont s'en sourciller parce qu'ils savent que là-bas ce ne sera pas l'enfer. Tout le monde va applaudir parce que Robert Badinter avait participé à abolir la peine de mort dans notre pays. Et lorsque l'on voit les salopards que l'on entretient aujourd'hui dans nos prisons, ces monstres qui ont assassiné, violé, tué sauvagement, parfois on se demande si c'était une bonne idée. Robert Badinter a sans doute, malgré lui, participé à rendre les prisons plus agréables sans doute, à faire que les gens avaient moins peur d'y aller. Et c'est pour ça que les crimes sont aussi nombreux dans notre pays. C'est aussi quelqu'un qui était contre l'euthanasie, ce qui va faire plaisir à Françoise Hardy et à toutes celles et ceux qui souffrent, qui aimeraient bien que ça s'arrête. Après avoir fêté Robert Badinter, peut-être que la France lèvera les yeux et regardera ce qui se passe dans le pays. Ah, tu n'es pas d'accord ? Viens vite. Alors tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.